Bonjour et bienvenue à tous. Tout d'abord, merci pour votre présence. Nous sommes avec Emmanuel André, très heureux de vous accueillir en grand nombre pour ce webinaire qui est consacré au nouveau règlement européen sur les machines et qui nous rassemble donc pour une petite heure. Donc, ce règlement européen est conséquent, mais nous nous sommes efforcés de simplifier au maximum son décryptage et surtout ses impacts. Alors, le programme que l'on vous propose et si je peux dire compacté en quatre grandes parties. Tout d'abord, le contexte et les grandes échéances qui sont liées à ce nouveau règlement. Cette partie sera la plus courte. En deuxième partie, on abordera le champ d'application du règlement avec un focus sur des définitions importantes et sur les nouveautés introduites par le règlement. En troisième partie, nous verrons les opérateurs économiques, les procédures de certification et les nouveaux pouvoirs de la Commission européenne. Et enfin, en quatrième partie, qui sera finalement la plus dense, les modifications des exigences essentielles de sécurité. Nous finirons par un temps d'échange, donc pour aborder vos questions. Alors, questions que je vous invite à nous poser tout au long de la présentation et s'il vous plaît, en utilisant de préférence le menu questions. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Je vois qu'il y a encore des personnes qui se connectent. Donc, j'enverrai des petits mots sur le chat au cours du webinaire. Donc, je laisse la parole à notre expert machine, Emmanuel André, qui est aussi référent technique sur le sujet pour le groupe APAV. Voilà, Emmanuel, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter le règlement machine. Donc, le nouveau règlement machine, il a été réécrit, écrit sur la base d'un nouveau cadre législatif européen qui vise à homogénéiser un peu toutes les réglementations européennes de façon à ce que chacun puisse retrouver les choses au même endroit dans les différents règlements, donc ce qui permet de fluidifier la lecture du texte. Donc, ce texte prend la suite du texte de la directive machine qui définit des exigences techniques de santé et de sécurité pour la conception et la fabrication des machines. Les modifications en termes d'exigences concernent principalement l'intégration des risques liés aux nouvelles technologies, avec les petits logos que vous voyez sur le côté droit, les robots autonomes, les machines autonomes, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Ensuite, comme on a une certaine expérience des exigences de la directive, le retour d'expérience du texte de la directive machine a fait que certaines exigences ont été complétées vraiment à la marge, donc avec relativement peu d'impact. Ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est que la directive sera remplacée par le règlement le 20 janvier 2027, ce qui laisse un peu de temps pour son appropriation. La particularité du règlement, c'est qu'il ne nécessite pas de transposition dans le droit français, à contrario de ce qui avait été le cas pour la directive machine. Donc le texte devient applicable dès qu'il est publié. En l'occurrence, il a été publié le juillet 2023. Donc, les grandes échéances de la rentrée en application de ce texte-là, il y en a cinq. Les quatre premières sont des échéances qui sont destinées à mettre en place le cadre qui permettra la pleine applicabilité du texte et qui concerne les institutions, les organismes notifiés, le comité de suivi du règlement qui donnera les interprétations nécessaires. Donc, c'est ce cadre qui est en train de se mettre en place et qui s'est mis en place, ben, 20 jours après la publication, qui a commencé à se mettre en place 20 jours après la publication du texte. Une chose fondamentale à retenir, c'est que le texte prendra sa pleine applicabilité à compter du 20 janvier 2027. Donc, pas de période transitoire. Les fabricants ne pourront déclarer la conformité au règlement qu'à compter du 20 janvier 2027. Et jusqu'à cette date, c'est la directive machine qui s'applique. Le champ d'application, ainsi que les exclusions. Donc, le règlement s'applique aux machines telle qu'elle s'appliquait, telle que la directive machine s'appliquait, même périmètre. Par contre, il y a un nouveau terme qui est apparu, qui est le terme produit connexe.
Et les produits connexes sont les produits qui sont pas tout à fait des machines, mais qui restent soumis en termes de mise sur le marché aux dispositions du règlement. Pas de nouveauté, les équipements produits connexes sont des éléments qui étaient déjà dans la directive machine, ils sont juste regroupés dans cette famille qui est désignée maintenant produits connexes. On retrouve les équipements interchangeables, les composants de sécurité, les accessoires de levage, les chaînes et câbles et sangles, ainsi que les dispositifs amovibles de transmission mécanique qui sont les arbres à carrement. Donc pas de changement en termes de périmètre d'application, juste des modifications de termes. Par rapport aux quasi-machines, donc les quasi-machines étaient déjà soumises à la directive machine, le règlement a voulu un peu clarifier et resserrer le régime juridique de ces machines, qui était un peu la porte ouverte aux fabricants peu scrupuleux qui n'apposaient pas le marquage CE sur leurs équipements du fait qu'ils considéraient que la machine n'était pas totalement terminée. Donc là, la commission a souhaité mieux cadrer ce qui s'appliquait aux directives, aux quasi-machines, et a donc renforcé le texte en mettant un peu partout dans le règlement des focus sur ce qui s'appliquait précisément aux quasi-machines. Donc ce qui a été rajouté, on a un petit code couleur qui est la couleur violette, qui est la couleur qui est là pour indiquer que quels sont les éléments nouveaux dans la rédaction de texte. En l'occurrence, pour la quasi-machine, il a été rajouté qu'il ne constitue pas encore une machine. Et ensuite, dans les autres parties du règlement, ont été rajoutés des points propres aux quasi-machines, de sorte que les autorités de surveillance du marché puissent, en cas d'abus, puissent venir rechercher la responsabilité des fabricants des quasi-machines pour les mettre en face de leur manquement. En termes de modification des exclusions, une seule exclusion nouvelle, qui est le point F, produits et pièces équipements pour aéronautique. Ensuite, dans les exclusions, il y a eu des clarifications, notamment sur ce qui concerne les machines à usage nucléaire. Donc, une machine est exclue dans la mesure où, si la conformité à la dite machine peut porter atteinte à la sûreté nucléaire de l'installation. Donc, il y avait aussi beaucoup d'abus en disant l'équipement est installé dans une centrale nucléaire et de fait, je ne déclare pas conforme à la directive machine ou au règlement, parce que c'est dans une installation nucléaire. Non, là, il faut que la machine elle-même ait une incidence sur la sûreté nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour toutes les machines qui sont dans les centrales. Ensuite, on a une précision sur les véhicules de trois roues ou quadricycles, avec une petite attention sur le fait que les vélos électriques, ce qui est gyropode, trottinette électrique, restent curieusement, dans le champ d'application du règlement, ils ne sont pas donc exclus du règlement machine au grand dam de la Direction générale du travail qui trouvait la chose un peu saugrenue. Ensuite, il y a des exclusions dans les exclusions par rapport aux appareils électroménagers à usage domestique, donc les meubles qui sont à commande électrique, des supports de télé par exemple, que l'on peut faire monter et descendre, sont soumis à la directive machine. C'est l'exclusion dans l'exclusion. Et l'exclusion dans l'exclusion, il y en a une complémentaire qui a été rajoutée pour les machines de bureau, les ordinateurs, les imprimantes. Ben, pour les imprimantes 3D, elles sont exclues de l'exclusion et donc sont soumises au règlement. Il y a des définitions qui ont été rajoutées. Donc, le règlement s'applique aux machines sans logiciel. C'est-à-dire que j'achète une machine sur étagère, dans un carton,
Cette machine, elle n'a pas d'application définie parce qu'il lui manque le cerveau. Quand je vais aller télécharger le cerveau sur un serveur, la machine pourra fonctionner. Cette machine sans cerveau est considérée comme devant répondre aux exigences du règlement. Donc là, on est un peu sur les technologies, on voit un peu arriver l'intégration dans le règlement de tout ce qui touche un peu au sujet, beaucoup même sujet numérique. Ce qui a été dit pour les machines est vrai aussi également pour les composants de sécurité. Donc un composant de sécurité, il était à dominante physique auparavant. Maintenant, tel que rédigé dans le règlement, c'est un composant qui peut être aussi d'ordre numérique au logiciel et qui assure une fonction de sécurité pour le fonctionnement de la machine. Donc la fonction de sécurité, c'est un dispositif de protection qui est là pour éviter et réduire un risque, et il devient composant de sécurité dans la mesure où sa défaillance pourrait entraîner l'aggravation du risque. Donc, il n'y a pas d'élément mobile, c'est un composant, il est tout seul, il assure une fonction de sécurité. Ce composant, il est considéré comme soumis au règlement, qu'il soit physique, numérique ou logiciel. De nombreuses définitions ont été rajoutées dans les considérants du règlement. Notamment une qui est tout à fait nouvelle et qui est la spécification technique. On en reparlera tout à l'heure. C'est un document qui peut être rédigé par la Commission elle-même pour définir des moyens permettant d'atteindre les exigences de sécurité et de santé de l'annexe 3 en l'absence de normes. Il y a la notion aussi d'utilisateur professionnel et donc en négatif de l'utilisateur non professionnel. Et tout ça, sur la base de ces définitions-là, des exigences plus resserrées ont été données, notamment pour la notice d'instruction. Qu'est-ce qu'on a à faire quand la machine est destinée à être utilisée pour un usage professionnel ou non professionnel? On verra une définition qui a un impact important et qui concerne la modification substantielle. On verra aussi tout à l'heure, quand on balayera les exigences par rapport à la notice d'instruction, la définition de la notice d'instruction qui a été complétée. Les opérateurs économiques. Donc le règlement a listé les opérateurs économiques en intégrant les importateurs et les distributeurs, et donc en mettant en face de chacun d'eux les responsabilités qui leur incombent. Donc la volonté au travers de tout ça, c'est de responsabiliser l'ensemble de la chaîne de distribution des machines qui sont soumises au règlement, depuis l'usine jusqu'au magasin, dans l'idée de faire en sorte qu'aucun maillon de la chaîne de distribution ne puisse se retrancher derrière le maillon précédent en disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Donc la conformité, en l'espèce, c'est la responsabilité de tous. Même s'il y en a un parmi tous ces maillons qui a une responsabilité prépondérante, il n'en demeure pas moins que le distributeur final qui est au plus proche de l'utilisateur, il aura aussi sa responsabilité en termes de mise à disposition d'une machine non conforme. Donc les opérateurs économiques, qui sont-ils? Le fabricant, on connaît, on va revoir un peu aussi ce qu'on considère comme fabricant, parce qu'il y a certaines choses qui existaient dans le texte de la directive machine qui ont été un peu oubliés et qu'il est bon de rappeler, le mandataire, l'importateur, distributeur. Les deux nouveaux opérateurs économiques qui ont été rajoutés par rapport à la directive sont les importateurs et les distributeurs. Le fabricant, qui est-il? Le fabricant,
c'est quelqu'un qui fabrique, qui fait concevoir ou qui fait fabriquer des produits et qui les commercialise en son nom ou sous sa marque propre. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un, un bureau d'études, qui fait fabriquer une machine et qui la met sur le marché, il ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable de la dite machine parce que ce n'est pas lui qui l'a fabriquée. Donc, on voit toutes les subtilités de qui est le fabricant et ces notions-là qui peuvent avoir une incidence sur qui est responsable de quoi. Un point qui est à mon sens largement oublié, un utilisateur qui construit sa machine pour son propre usage est considéré comme le fabricant de la machine et a donc les mêmes obligations que celui qui met fabricant, qui met une machine sur le marché pour un utilisateur. Point. Autre point qui, là, a beaucoup d'impact, on en reparlera, qui sont lorsqu'on apporte des modifications substantielles à une machine, la personne qui apporte des modifications substantielles à la machine est considérée comme le fabricant, avec toutes les obligations qui sont raccrochées au fabricant. Ça veut dire que vous modifiez une machine de manière substantielle, la conformité de la globalité de la machine n'appartiendra plus au fabricant initial, mais à celui qui aura fait la modification. Ça, c'est un impact fort. Le mandataire, qui est-il? Le mandataire, il a reçu un mandat écrit du fabricant pour assumer à sa place un certain nombre d'actions, d'obligations qui relèvent du fabricant. C'est un mandat écrit. L'importateur, donc quand on dit toute personne établie dans l'Union, c'est bien évidemment toute personne physique ou morale établie dans l'Union. Donc l'importateur, il met sur le marché de l'Union un produit qui provient d'un pays tiers, d'un fabricant étranger qui n'a pas d'implantation en Europe. Le distributeur, lui, c'est un opérateur économique qui n'est ni fabricant, ni mandataire, ni importateur, et qui met à disposition sur le marché le produit. Donc, je vais vous présenter rapidement, parce qu'avec le temps qui nous est imparti, on aura du mal à balayer toutes les obligations des uns et des autres, vous montrer rapidement comment s'articulent les responsabilités des uns et des autres. Donc, vous voyez, si on prend les dernières lignes, l'opérateur économique, il doit coopérer avec les autorités compétentes. Le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur. Donc, quand il y a un souci de conformité, qu'une autorité de surveillance demande des explications, les explications peuvent être demandées, pas uniquement au fabricant, mais à toute la chaîne de distribution. Pour exemple, aussi, le fabricant qui doit établir la déclaration de conformité, il n'y a que lui qui l'établit, toute la chaîne de distribution, avant de mettre l'équipement sur le marché, doit s'assurer que le fabricant a bien répondu à ses obligations, dont celle d'établir et d'apposer le marquage CE. Et ainsi de suite, pour le dossier technique, l'importateur, il doit vérifier que le fabricant dispose d'un dossier technique, etc. Une petite nouveauté, c'est que l'importateur, en plus de la plaque de marquage du fabricant du pays tiers, l'importateur doit afficher son nom et ses coordonnées sur la machine, en plus de la plaque du fabricant, et pas à la place d'eux.
Là, donc qu'est-ce qu'une modification substantielle? Là, l'impact est fort, pour l'instant, si on lit le texte d'une manière brute et non pragmatique. Qu'est-ce qu'une modification? Donc, c'est une modification d'une machine par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché, donc chez l'utilisateur potentiellement, qui n'est pas prévue ou planifiée par le fabricant et qui affecte la sécurité de la machine en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque existant. Et tout ça avec la nécessité, ce qui conduit l'augmentation du risque, le nouveau danger, à mettre des protecteurs ou des dispositifs de protection, des barrières immatérielles, des commandes manuelles, etc., et dont la mise en œuvre nécessite la modification du circuit de commande. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi un deuxième point qui ferait que ce que j'ai fait devient une modification substantielle, c'est si la modification que je réalise a un impact sur la stabilité et la résistance de la machine qui nécessite la mise en place de mesures de protection supplémentaires. À ce moment-là, même s'il n'y a pas de mise en place de protecteur, je serai considéré comme ayant fait une modification substantielle. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, dès lors qu'on effectue une modification substantielle, on devient fabricant. Nouveau marquage, notice d'instruction, etc. Donc il existe une position de la DGT sur la modification des machines. Cette position est un petit peu remise en cause par cette définition-là. Et donc il va falloir des interprétations pour connaître la profondeur réelle de l'impact. Pour l'instant, à la lecture brute de cette nouveauté, l'impact est potentiellement fort. Pour autant, comme tout texte, il nécessite une interprétation qui sera mise dans le guide du règlement et pour lequel, évidemment, des discussions sont en cours. Cette définition, elle ne s'appliquera que le 20 janvier 2027. Pour l'instant, le guide de modification de la DGT s'applique et on verra qu'est-ce qu'il en viendra au 20 janvier 2027. Sur les procédures de certification, la procédure majoritaire qui s'applique pour la mise sur le marché des machines reste la procédure d'auto-certification. Il existait dans la directive machine une liste de machines qui devaient faire l'objet de procédures de mise sur le marché particulières, qui était dans l'annexe 4. Cette annexe 4 devient l'annexe 1. Et dans cette annexe 1, il a été rajouté, les machines ont été séparées en deux catégories, catégorie A, catégorie B. La catégorie A nécessite obligatoirement une intervention par un organisme notifié suivant trois procédures possibles. L'examen UE de type, l'assurance complète de la qualité, module H, et, ce qui est nouveau, la vérification à l'unité, module G. Il y a donc séparation en deux catégories, catégorie A, catégorie B. La catégorie B, la procédure de mise sur le marché d'une machine dans l'annexe 1 et qui fait partie de la catégorie B, il y a deux possibilités. Soit il existe une norme harmonisée ou une spécification technique commune qui donne présomption de conformité aux exigences du règlement. À ce moment-là, le fabricant peut s'auto-déclarer conforme en respectant les exigences du règlement sur la base du respect intégral
des normes harmonisées et des spécifications communes. Module A. Pour autant, si le fabricant de cette machine appartenant à la catégorie B souhaite faire intervenir un organisme notifié, il peut le faire suivant les trois possibilités que l'on a vues pour les machines de la catégorie A. Quelles sont les machines qui sont en partie A et en partie B? Donc déjà, en termes de liste des machines, seules deux machines ont été rajoutées. Enfin, deux machines ou deux éléments ont été rajoutés dans cette liste-là. Les composants de sécurité intégrantes d'IA. Donc ça peut être des caméras intelligentes qui savent détecter, faire la différence entre une personne et autre chose. Et les machines intégrant des fonctions de sécurité avec de l'IA non certifiée. Partie A, intervention obligatoire d'un organisme notifié. Donc là, vous avez sous les yeux la liste exhaustive des machines qui sont dans ce cas. Les arbres à cardans, les protecteurs des dispositifs des arbres à cardans, les ponts élévateurs de véhicules et les machines portatives de fixation à charge explosive. Toutes les autres sont dans la partie B, donc les autres, celles qui existaient auparavant déjà, dans l'annexe 4 de la directive. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quasiment à ISO et qu'il y a seulement que quelques machines qui doivent faire l'objet obligatoirement d'une procédure de mise sur le marché avec intervention d'un organisme notifié. La commission a de nouveaux pouvoirs. Elle a le pouvoir de modifier la liste des machines dangereuses, considérées comme dangereuses, et elle ne le fait pas n'importe comment. Le cadre dans lequel elle peut enlever, rajouter ou faire passer une machine de la partie A vers la partie B, ce cadre-là est défini. Et donc, il est défini. Un État membre va faire remonter les machines qu'il considère être comme dangereuses ou plus dangereuses, éventuellement, pour pouvoir supprimer la machine de la liste. Et la Commission, après son enquête, publiera un document par acte délégué qui viendra modifier cette liste-là. Ça veut dire que la liste, elle peut être modifiée sans révision du règlement. Ça, c'est une nouveauté forte. La deuxième nouveauté forte au niveau des pouvoirs de la Commission, c'est en l'absence de documents normatifs, pour X raisons, parce que l'organisme de normalisation n'a pas pris le sujet qui lui était proposé par la Commission, qu'il n'a pas pu sortir la norme dans les temps voulus, ou que tout simplement il n'existe absolument pas de norme et qu'il n'y a pas de projet de norme sur le sujet, la Commission peut établir un document définissant des spécifications techniques permettant d'atteindre les exigences de sécurité et de santé du règlement pour une catégorie de machines données si elle en trouvait la nécessité. Machine excessivement dangereuse, sans cadre normatif, la Commission peut décider d'éditer un document. Donc notre recommandation, c'est d'être un peu vigilant sur ces nouvelles publications pour pouvoir suivre au mieux la réglementation. Les modifications des exigences. On va les balayer rapidement. Il y a du toilettage, donc on est venu compléter un certain nombre d'exigences concernant l'entretien, les fonctions de sécurité, l'ergonomie, les substances dangereuses, les machines de levage et les risques de contact avec les lignes aériennes. Et puis, il y a des nouvelles exigences qui ont été intégrées pour tenir compte de l'évolution de la technologie, cybersécurité, intelligence artificielle, machine autonome, c'est les robots qui fonctionnent sans surveillance permanente d'un opérateur. Voilà. Et puis à côté de ça, il y a aussi des petites modifications qui concernent tout ce qui est un peu administratif,
déclaration de conformité, dossier technique, notice d'instruction. Au niveau de la déclaration de conformité, il y a des éléments qui ont été ajoutés, d'autres qui ont été supprimés. L'élément qui a été supprimé, c'est le nom de la personne autorisée à constituer le dossier technique. Il n'est plus requis. De petits rajouts qui sont le numéro qui peut être attribué par le fabricant s'il le désire sur la déclaration de conformité, donc il y a une référence précise du fabricant par rapport au document qu'il émet. Une obligation lorsque la machine ne peut pas être assemblée, enfin ne peut être assemblée que sur le lieu d'utilisation. Dans ce cas-là, la déclaration de conformité doit indiquer l'adresse du lieu d'installation. Si besoin, une photo pour identifier, aider à l'identification de l'équipement objet de la déclaration de conformité. Et puis, une particularité nouvelle, c'est la référence des parties de normes ou spécifications communes qui ont été appliquées. Quand la norme a été partiellement appliquée, avant c'était tout. Quand elle était intégralement appliquée, la référence de la norme était précisée. Là, on demande à ce que, même si qu'une partie de la norme ait été respectée, d'indiquer quelles sont les parties de la norme qui ont été respectées. Les éléments ajoutés dans le dossier technique, en effet miroir de la déclaration de conformité, même obligation d'identifier dans le dossier technique les dispositions partielles d'une norme qui aurait été prise en compte ou pas par le fabricant, et s'il n'est pas pris en compte de normes harmonisées, quelles sont les spécifications de substitution qu'il a utilisées. Quelque chose de nouveau également, c'est la description des moyens qui permettent au fabricant de faire son contrôle interne de fabrication. C'est la checklist de contrôle pendant toute la phase de fabrication de la machine qui permet de dire au fabricant à la fin de la fabrication que la machine est conforme à ce qu'il avait prévu qu'elle soit. Et ensuite, on retrouve des éléments sur la partie numérique, donc les codes sources de la logique de programmation dédiée à la sécurité. Et pour tous les capteurs un peu nouveaux qui seraient installés dans les machines autonomes et qui seraient conçus par les fabricants eux-mêmes, bah, c'est de dire comment ce capteur spécial a été conçu avant son intégration dans la machine. La notice d'instruction. La notice d'instruction, elle peut être désormais sous forme numérique, sous condition. Il y en a trois. C'est que l'accès à la notice doit être indiqué sur la machine elle-même ou son emballage. La notice doit pouvoir être imprimée et téléchargée, et la notice doit être accessible pendant toute la durée de vie prévue de la machine et pendant au moins 10 ans après sa mise sur le marché. Pour autant, si un utilisateur, au moment du passage en contrat de sa machine, il peut demander au fabricant de lui fournir sous format papier, et auquel cas, le fabricant doit fournir gratuitement, dans un délai de un mois, la notice sous forme papier. Ensuite, si l'équipement est destiné à être utilisé par un non-professionnel, il faut que les informations essentielles de sécurité soient fournies sous format papier. Utilisateur non-professionnel, une partie de la notice doit être sous format papier. En complément, dans la notice, il y a un certain nombre de choses qui ont été rajoutées, donc la déclaration de conformité ou l'adresse internet où on peut la retrouver. Des informations sur les moyens nécessaires pour réaliser le sauvetage de personnes quand il est possible de rentrer à l'intérieur d'une machine. Il faut pouvoir extraire la personne qui est rentrée dedans, avec des moyens qui sont définis dans la notice d'instruction, une procédure qui est définie dans la notice d'instruction. Et puis, en cas de substance dangereuse, la notice d'instruction doit définir clairement quelles sont les caractéristiques
des systèmes de captage, filtration, ventilation et les critères d'efficacité et de maintien dans le temps de ces dispositifs destinés à évacuer les substances dangereuses. Ensuite, en termes d'entretien des machines, deux exigences ont été impactées. L'exigence 1.1.2, l'exigence 1.6.2. L'exigence 1.1.2, elle demande à ce que la machine soit conçue de manière à ce que l'utilisateur puisse tester les fonctions de sécurité par lui-même. Et que soit prévu également, fourni toutes les informations nécessaires, les accessoires spéciaux, etc., les procédures d'essai spécifiques pour le réglage, l'entretien en toute sécurité de la machine. Ça, c'est un peu de toilettage. Et donc, pour l'exigence 1.6.2, entretien de la machine, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque il est prévu qu'une personne puisse accéder à une zone dans la machine, cette personne, elle doit avoir des accès qui lui permettent de rentrer, mais aussi des accès qui puissent permettre de lui venir en aide et pouvoir la sortir au besoin si elle avait un malaise. C'est quelque chose de nouveau, de manière à rendre possible un sauvetage d'urgence des personnes. L'ergonomie a été renforcé avec un aspect un peu particulier qui va traiter des machines qui ont un comportement auto-évolutif, donc c'est des machines auto-apprenantes, et ce qui est demandé en préparation de l'arrivée de ces machines qui commencent tout juste à voir le jour, c'est de dire que la machine doit être en capacité d'interpréter des mots, des gestes, des expressions faciales et corporelles de l'opérateur, mais aussi, il faut que la machine soit en capacité de pouvoir communiquer avec l'opérateur pour que l'opérateur puisse savoir ce que la machine est en train de faire et pourquoi. Parce qu'on comprend bien la surcharge psychique ou la peur que peut représenter une machine dans la mesure où on ne sait pas ce qu'elle est en train de faire, si elle va s'éloigner de vous ou si elle va se rapprocher. Donc là, c'est un aspect ergonomie qui est en lien avec les nouvelles technologies numériques. Les substances dangereuses, on en a parlé dans la notice d'instruction, ça a été complété aussi dans la partie, dans certaines exigences, notamment pour les machines portées et tenues guidées à la main, où doit être prévu un système qui puisse permettre le raccordement d'un système de captage. Et pour les machines mobiles qui sont destinées à l'application de substances dangereuses, il a été rajouté le fait que la cabine doit être équipée de dispositifs de filtration ou, en l'absence, avoir des mesures de sécurité au moins équivalentes. Donc ces dispositifs de filtration, en complément, ont été rajoutés comme composants de sécurité dans la liste indicative qui est à l'annexe 2 de la directive. Un point nouveau aussi qui avait fait débat, vous vous rappelez peut-être des échanges qu'il y a eu pour la mise en place des robots collaboratifs. Donc, les robots collaboratifs ont été critiqués à la base parce que les contacts homme-machine n'étaient pas prévus et donc étaient considérés comme non conformes les robots collaboratifs sur la base d'une écriture d'une exigence qui était incomplète. C'est chose qui a été réparée. Maintenant, on dit, faites attention, ok, la machine peut toucher l'opérateur dans la mesure où les risques sont maîtrisés. Et que l'aspect aussi psychique est pris en compte pour éviter les stress de l'opérateur. Il y a deux types de collaboration, directe, indirecte. Quand elle est directe, l'homme et la machine travaillent ensemble. Quand elle est indirecte, l'homme et la machine partagent un espace commun sans avoir d'interaction
forcément permanente entre les deux. Et donc, ce cas-là, K2 et 3, sont des cas que l'on peut retrouver dans les machines mobiles autonomes. Ensuite, quelque chose de fort et qui tient en compte tout ce qui est aspect numérique, c'est l'aspect cybersécurité, protection donc contre la corruption des données, avec un aspect général, une nouvelle exigence complète, donc point 1.1.9, et qui veut que la machine soit prémunie des corruptions de données accidentelles ou volontaires au travers de moyens de communication numérique pour atteindre le logiciel de la machine. Et donc ça, il y a un complément aussi, cette obligation générale, de dire attention, elle ne doit pas être corrompue. Elle s'appuie aussi sur un complément qui a été apporté au niveau de la fiabilité des fonctions de sécurité, où il est dit qu'une attaque cyber ne doit pas créer de dysfonctionnement des fonctions de sécurité. Dysfonctionnement tel que mouvement intempestif, accroissement du temps d'arrêt, perte de la fonction totale de sécurité. Donc tout ça, ça va nécessiter une appropriation et la réalisation d'analyses de risque spécifiques vis-à-vis du risque cyber qui doit tenir compte des menaces avec leur vraisemblance et des vulnérabilités. Un point important, la conformité cyber est réputée acquise, donc point 1.1.9 et point spécifique 1.2.1 est réputée acquise si la machine est conforme au règlement UE 2019-881. La machine, elle a été validée par un organisme au titre de ce règlement-là. Ça voudra dire que les exigences du règlement vis-à-vis de la cybersécurité sont réputées atteintes. Emmanuel, il te reste 5 minutes si on veut éviter de trop déborder et de garder au moins 10 minutes pour les questions. Merci. Je vais accélérer. Les machines autonomes, c'est des machines qui commencent à arriver, notamment dans le domaine de l'agriculture. Donc, qu'est-ce qu'une machine autonome? Une machine autonome, c'est une machine qui dispose d'un mode dans lequel toutes les fonctions essentielles de sécurité sont assurées sans interaction permanente d'un opérateur. Donc, elles peuvent fonctionner ou pas avec un superviseur. Définition est donnée du superviseur. Elles peuvent fonctionner ou pas avec une fonction de supervision. Donc, fonction de supervision qui fait l'objet d'une exigence complémentaire totalement nouvelle et qui dit que la machine, si l'analyse de risque démontre qu'il est nécessaire qu'il y en ait une, la fonction de supervision doit permettre de connaître à distance quelles sont les difficultés de fonctionnement que la machine peut avoir et quand est-ce qu'elle commence à devenir dangereuse, et que ces informations-là doivent permettre à l'opérateur qui est en contact à distance avec elle de pouvoir arrêter, démarrer ou déplacer la machine si nécessaire. Et donc, si la fonction de supervision, si elle est nécessaire et qu'elle n'est pas active, la machine doit être mise, ne peut pas fonctionner. Donc, les machines autonomes, il y a un certain nombre d'exigences qui ont été complétées, notamment sur les systèmes de commande, les mises en marche et déplacements et les fonctions de déplacement, avec, pour la fonction de déplacement, soit la machine est enfermée par des systèmes de protection périphérique, barrières, barrage immatériel ou autre, ou simplement un dispositif qui permet sa localisation et son bornage dans une zone, et en complément ou pas, la présence d'un dispositif de détection qui va s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacles, pas de personnes, pas d'animaux dans l'endroit où elle est en train d'évoluer. L'intelligence artificielle. Elle doit faire en sorte que la machine, dans tous les cas, même si elle était auto-apprenante, auto-évolutive, il faut que le fabricant, dans ses programmes, définisse des limites de fonctionnement au travers desquelles la machine ne pourra pas aller dépasser donc les limites prévues par le fabricant. Et à terme,
il va exiger, il y aura un règlement spécifique pour l'IA. Et donc, de la même façon que pour la cybersécurité, si la machine est réputée conforme au règlement IA à venir, les exigences du règlement vis-à-vis de l'IA seront considérées comme respectées. De nouvelles exigences, très rapides, le fait au niveau du siège, quand la machine est mobile et qu'il y a un risque de retournement, renversement, le siège il est associé à une ceinture de sécurité et la mise en place de la ceinture de sécurité, dispositif de retenue de l'opérateur sur son siège, doit être asservie au fonctionnement de la machine. La ceinture n'est pas en place, la machine ne démarre pas et il y a des informations visuelles ou autres qui informent l'opérateur qu'il n'a pas mis le dispositif de retenue. Pour les machines de levage, ça ne concerne uniquement que les machines desservant des niveaux définis et pour lesquelles l'habitacle dans lequel se trouvent les personnes n'est pas totalement clos. Avant, il était obligatoire d'avoir un dispositif action maintenu. Là, il est possible de s'en affranchir si en absence de risque. Et une nouvelle exigence qui concerne les risques de contact avec les lignes électriques aériennes sous tension, qui vise à la protection de l'opérateur pendant le déplacement de la machine, pour éviter qu'il touche une ligne électrique pendant qu'il se déplace, et puis une exigence vis-à-vis de la protection de l'opérateur pendant qu'il est en train d'utiliser la machine en phase stationnaire. Exemple, une pompe à béton sur un chantier avec une ligne électrique qui se trouve au-dessus. Donc, ce qu'il faut retenir, les nouveaux pouvoirs de la Commission, avec la possibilité de modifier l'annexe 1 du règlement qui liste les machines dangereuses, la possibilité de la Commission de pouvoir écrire des spécifications communes qui ont les mêmes valeurs que les normes harmonisées. On a des exigences de sécurité qui ont été précisées à la marge et on a des exigences de sécurité qui ont été rajoutées pour tenir compte des nouvelles technologies. Tout ça applicable pour les fabricants au 20 janvier 2027. Alors, quelques mots, merci Emmanuel, on est dans le timing, au sujet de l'accompagnement qui vous est proposé par APAV. Alors, tout d'abord, on vous invite à suivre nos publications qui sont à votre disposition gracieusement sur notre site web france.apav.com. Vous avez à votre disposition un livre blanc qui est la restitution d'une enquête sur la conformité, la sécurité et la performance des machines, et puis deux paroles d'experts, l'une sur la conformité des machines et l'autre sur la collaboration homme-cobo dans les procédés industriels. Les prestations, la plupart d'entre vous les connaissent, on peut vous accompagner de l'amont jusqu'à l'analyse de risque, jusqu'à l'assistance à la conception, l'assistance au marquage CE, la vérification de conformité des machines en service pour faire vite, l'accompagnement au maintien en l'état, et puis bien sûr de la formation, mais aussi, vous connaissez peut-être un petit peu moins, un accompagnement sur l'aspect cybersécurité des machines. Et puis aussi à votre disposition des solutions digitales comme Pilote Veille pour piloter la veille réglementaire ou Alerte Santé Sécurité qui est une application mobile qui permet de remonter des situations à risque, notamment autour des machines. Voilà, je passe vite sur cette partie accompagnement parce que beaucoup de questions sont arrivées, donc on va les aborder. Dans le temps où on va répondre à vos questions, je vous invite avant de quitter le webinaire, si vous avez des contraintes horaires, de répondre aux deux questions qu'on a posées, aux trois questions même dans l'onglet sondage. Donc, il vous suffit de cocher votre réponse et puis de cliquer sur « Soumettre le vote » dès que vous avez validé. Alors, on va aborder donc vos questions. Il y en a eu beaucoup, Emmanuel. Alors, je vais prendre celle de Laure. D'abord, concernant l'application du règlement. Donc, on a vu qu'il était applicable en janvier 2027. Alors, Laure nous demande, pour l'application du règlement, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la date de conception, la date de fabrication ou la date de mise en service de l'équipement? La date de mise sur le marché de l'équipement. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on dit qu'il n'y a pas de période transitoire. Toute cette période qui est en cours jusqu'à 20 janvier 2027, si on sait que la machine va être mise en service après le 20 janvier 2027, il va falloir prendre en compte les exigences du règlement. Donc, c'est pas la date de conception, c'est la date de mise sur le marché de la machine. C'est clair. Merci, Emmanuel.
Alors, une question d'Alice. Est-ce que les exigences essentielles de sécurité s'appliquent si la machine est en phase de test en atelier dans l'Union européenne, mais qu'elle est destinée à un client qui est hors Union européenne? Donc, est-ce que le fait de la mettre en test dans un atelier dans l'Union européenne... Si elle est en test, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des opérateurs qui sont en train d'utiliser et qui produisent, et que dans ce cas-là, elle est mise à disposition, mise sur le marché, et donc à ce titre-là, oui, elle doit être conforme au règlement, même si elle est ensuite exportée. Alors, une question la notion essentielle, la notion essentielle est la mise sur le marché. Donc, à un moment donné, elle est mise à disposition, elle est mise sur le marché. C'est bien clair aussi, merci. Une question de Marco, est-ce que la partie contrôle-commande d'une machine est à considérer comme une quasi-machine? Non. Après, c'est des oui, non. la réponse brute est difficile à faire de manière condensée. Donc, j'aurais plein d'arguments pour dire oui et plein d'arguments pour dire non. Donc, au cas par cas. D'accord. Ça veut dire, Marco, que je vous invite dans le sondage à indiquer si vous souhaitez qu'on vous recontacte pour répondre précisément à votre question qui mérite un examen plus approfondi, manifestement. Une question de Jonathan. Est-ce qu'une personne qui fait de l'entretien avec un remplacement de pièces devient fabricant? Quelle est sa responsabilité par rapport à la machine? Donc, il faut pour être responsable de quelque chose, faire une modification substantielle. On se recadre par rapport aux exigences du règlement qui sont à venir quand même au 20 janvier 2027. Sinon, on applique le guide de la Direction générale du travail. Si on remplace à l'identique une pièce, il n'y a pas de responsabilité. Par contre, si on change une pièce par une pièce d'une origine différente, il faut mener une analyse. Cette analyse, elle peut être faite dans le cadre du guide de la DGT. Pour la modification substantielle, donc là, si je remplace une pièce, je n'augmente pas le risque, je ne crée pas de nouveaux dangers. Donc, du point de vue du règlement, je ne suis pas considéré comme fabricant. Mais pour autant, en termes de réglementation française, j'aurai une responsabilité parce que j'ai changé une pièce qui n'était pas prévue par le fabricant. Donc, la responsabilité, quelque part, elle existe. Elle existe de manière plus forte si on fait une modification substantielle à l'avenir, et donc parce qu'on devient fabricant. Dans l'autre cas, c'est une responsabilité, entre guillemets, qui est moins forte, mais qui existe quand même. D'accord. Alors, une autre question toujours en lien avec les responsabilités, donc une question d'Arnaud. Je fabrique en interne une machine pour une opération spécifique dans mon atelier. Est-ce que je dois assurer la conformité au règlement et puis aujourd'hui à la directive? Aujourd'hui à la directive, le 20 janvier 2027 au règlement. Et oui, vous êtes fabricant et vous avez les mêmes obligations qu'un fabricant de machines, on dira, dont c'est le métier. D'accord. Alors, une question de Cyril qui nous demande, et on va revenir du coup dessus, qui concerne la modification substantielle. Je reviens sur la diapo 17 du coup, qui voudrait des exemples de modification substantielle. Alors, on va se repositionner sur la diapo 17. Qui doit être... un exemple, vous rajoutez une machine laser pour faire de la gravure dans une machine. Bon, c'est un danger qui n'existe pas, donc c'est un nouveau danger. Cette machine, elle va nécessiter la mise en place de protection, protecteur mobile, protecteur mobile, avec dispositif d'asservissement câblé sur le circuit de commande. Donc dans ce cadre-là, j'ai augmenté le risque, j'ai ajouté des protecteurs qui ont lien avec le circuit de commande. Donc oui, dans l'absolu, je suis dans le cadre d'une modification substantielle. Cette modification substantielle, en l'état actuel, elle est couverte par le guide de modification de la DGT. Le 20 janvier 2027, ce sera au titre du règlement. Et donc, avec la responsabilité du fabricant. La personne qui modifie prendra
la responsabilité de la conformité de la machine et deviendra fabricant de la dite machine, même s'il n'a intégré qu'une petite partie. C'est ça qui est choquant et c'est ça qui doit être précisé au travers du guide d'interprétation de la directive, du règlement, pardon. Alors, on va prendre une question de Nicolas. Je remplace un variateur de fréquence par un autre équivalent, mais d'une marque différente et de fonctionnalité et performance équivalente. Est-ce que c'est considéré comme une modification substantielle? Non. Non, là, on sera dans le cadre de remplacement d'une pièce. Pour autant, ça vaut pour la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, en fait, pour le remplacement d'un composant dans la machine. Il faut faire une analyse qui démontre que effectivement c'est des performances équivalentes. C'est pas parce que il faut l'écrire, il faut le démontrer, et c'est considéré comme une modification au sens du guide de la DGT, mais ne sera pas considéré comme une modification substantielle de la machine lorsqu'on change le composant. Donc pas d'élévation du niveau de risque. Pas de mise en place de dispositifs de protecteur avec intervention sur le circuit de commande. Donc, c'est pas une modification substantielle. À l'avenir. Merci. Ok, merci. Il nous reste une. Alors, on a encore beaucoup de questions autour de la modification substantielle. On va prendre celle de Régis. Si on devient fabricant suite à une modification substantielle, on ne possède pas pour autant le dossier technique. Est-ce que le nouveau fabricant, au titre de cette modification substantielle, est responsable de tout ou de juste de ces modifications qu'il a effectuées? C'est-à-dire qu'en à la lecture brute du texte tel qu'il est écrit, il devient fabricant et endosse la responsabilité de l'intégralité de la machine et non pas que sur la petite modification qu'il a réalisée. Toutefois, tout ça, ces interprétations-là, seront écrites dans un guide qui sera bienvenu, parce que vous voyez l'impact que ça peut avoir, et donc les choses sont en cours, et si vous voulez, pour expliquer un peu cette modification substantielle, c'est le résultat d'un consensus qui aboutit à la rédaction de quelque chose qui est difficilement applicable, mais qui va nécessiter un guide pour pouvoir être applicable. D'accord. On a deux questions de Dominique et de Sylvie qui se rejoignent aussi sur « Je modifie une machine, mais sans ajouter un nouveau risque ». De fait, est-ce que c'est une modification substantielle? Non, pas d'aggravation de risque. En fait, c'est par couche. Si on augmente le risque ou on l'aggrave, il y a potentiellement modification substantielle. Donc là, s'il n'y a pas de nouveau risque, il n'y a pas d'aggravation de risque, ce n'est pas une modification substantielle. D'accord, donc je pense que de fait, on a répondu à la question de Dominique dans le même temps. Alors, une question d'Olivier. Un AGV, je crois que c'est un véhicule à guidage automatique avec mouvement de levage, est-il à considérer comme une machine de levage, type un pont? Oui. Donc, machine de levage, donc il y a les exigences de la partie 4 qui s'appliquent. Dans l'annexe 3 ou dans l'annexe 1 actuelle de la directive machine, il y a des risques spécifiques qui sont traités dans les différentes parties. Dans la mesure où il y a un mouvement de levage sur un équipement, la partie 4 s'applique, et donc ça vaut pour la directive comme pour le règlement quand il deviendra applicable. On va prendre une dernière question. Est-ce que les exigences essentielles de la directive, donc du règlement, hein, puisqu'on parle de nouvelle directive, je lis bien, seront obligatoirement à prendre en compte lors d'une modification d'une machine mise en service avant janvier 2027? Oui. Oui, c'est ça qui est dur à entendre. Hein. Et c'est bien ça qui nécessite une interprétation forte. Et je vous garantis que là, les choses sont en train de se mettre en place avec les partenaires sociaux, la direction du travail, pour que la chose soit clarifiée, parce que les impacts sont forts.
Bien, je crois qu'on va en rester là au niveau des questions. Il reste une bonne dizaine de questions, donc on va, comme d'habitude, les consolider, répondre à toutes, les consolider dans une foire aux questions qu'on va vous repartager après le webinaire. Voilà, donc il nous reste à vous remercier tous pour votre participation à ce webinaire. Vous allez donc recevoir le replay dans la foulée pour le réécouter posément, parce que le contenu était bien, bien dense. Merci Emmanuel pour ta présentation et pour avoir tenu le timing. Si vous avez des questions les uns les autres suite à cette présentation, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse mail contact-client@apap.com. On vous invite aussi à nous suivre sur LinkedIn, hein, suivre la page APAP sur LinkedIn où l'on publie régulièrement des actualités autour du sujet de la maîtrise des risques, qui est un vaste, vaste sujet. Merci à tous et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Au revoir.